La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Manga amugu. Manga amugu. Amugu. Assois-toi comme un homme. Comment amugu s'assoit comme ça? C'est qu'on est en danger. Amugu. Assois-toi. C'est ton mari. Hein? Quand l'homme se couche déjà comme ça, c'est que c'est fort. Un homme, pour qu'il pleure comme ça, c'est que c'est grave. Maintenant, il pleure. La femme aussi pleure. Ça devient le deuil. Caméra, regarde. Tout ça, c'est pleurs. La maison des larmes. Manga, c'est fini. Salue-moi. Manga, viens. Viens. Manga, fixe-moi dans les yeux. Fixe-moi dans les yeux. Hey! Amenez-le. Ça va aller. Sois en paix. Fixe-moi dans les yeux. Manga. Manga. Amugu. Fixe-moi dans les yeux. Oh. Il fait quoi dans la vie? Hein? Hey! Il fait quoi dans la vie? Manga, tu fais quoi dans la vie? Il est juriste. Il est juriste. Tu es quoi? Mandataire. C'est quoi ça? Ah, tu es mandataire auprès du tribunal. Maintenant, si tu pleures comme ça, quand nous on vient au tribunal, on fait comment alors? Au nom de Jésus-Christ. Quand tu veux juger les gens, il faut être spirituellement fort. Manga Mugu, reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Je profite, je le tape bien. Amen. Aïe, 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 aïe. Qui veut aussi la puissance? Je le tape. Manga Mugu, lève-toi. Tu es libre. Pas, tu es libre. Go, you are free. Pas, tu es libre. Go, you are free. Hey! Hey! Papa Manga Amugu Jean. Je viens le cœur rempli d'une grande joie, dit infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. Samedi passé, de retour d'une cérémonie de toquer porte, j'ai été saisi par une forte fièvre. J'étais très surpris car je me sentais plutôt très bien quelques heures avant. J'ai pris quelques médicaments à la pharmacie pour faire retomber la fièvre, mais en vain. Le lendemain dimanche, j'ai pris part au culte dans cette église. Dès mon entrée dans la salle de l'église, j'ai senti des forces me quitter et tout mon côté gauche s'est paralysé. Je me suis efforcé de marcher et j'ai demandé à mon épouse qui était avec moi de m'accompagner afin que je me fasse enregistrer urgemment aux urgences. Il fallait s'enregistrer urgemment aux urgences. Le corps médical m'a effectivement installé dans, mais les forces me quittaient de plus en plus. Mes yeux se fermaient sans effort, mon rythme cardiaque diminuait et je ne pouvais plus parler. J'ai commencé à pleurer car je savais que c'était la fin pour moi. Au même moment, papa est venu vers moi, il m'a imposé les mains et il a crié à haute voix la vie au nom de Jésus-Christ. À l'instant, j'ai senti la puissance du Seigneur envahir mon être et j'ai recommencé à sentir tous mes membres. Mon cœur et ma respiration ont repris le rythme normal. J'ai recommencé à marcher et parler. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti le malaise et les douleurs que je ressentais. Je marche, je cours, je suis en parfaite santé. Voilà pourquoi je suis revenu ce matin rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Si tu te lèves et acclames le Seigneur. C'était dimanche passé. Il faut que les médias retrouvent la vidéo là. Amen. Là où tout le côté était paralysé, il ne parlait plus et tout ça. Mais je ne savais pas que ça avait eu lieu subitement. Ça s'est passé samedi. Waouh. À mon retour, n'est-ce pas, à 22h. Oui. Maintenant, ça va. Ça va, amen. Après le toucher du Seigneur. Ça va. Maintenant, toutes tes portes s'ouvrent. Le même toucher ouvre toutes tes portes. Amen. Le premier qui dit Amen, toutes ses portes s'ouvrent. Acclame le Seigneur qui est fidèle.